Très heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran ce 31 mai. C'est le dernier jour du mois de mai et demain, ça sera le 1er juin. C'est qui correspond avec la Journée internationale des droits de l'enfance et on dit bonne fête à tous nos enfants. Et bien sûr, alors, comme d'accoutumée, on commence le bal en cette journée, eh bien, avec le volet médecine. Et aujourd'hui, il sera question de parler d'une nouvelle, justement, une nouvelle technique de pointe en ce qui concerne la chirurgie urologique, puisque nous aurons avec nous professeur Yousfi qui va nous en parler un petit peu sur cette nouvelle technique. Eh bien, il y a d'ailleurs un événement qui s'est passé ici même à Oran et au centre des conventions d'Oran. Eh bien, c'est la 3e édition du Salon international du recyclage. Eh bien, nous aurons avec nous l'organisateur du salon, c'est Mohamed Foued Ammar, qui sera là, accompagné de son invité. Et bien sûr, on revient sur la 76e édition du Festival de Cannes, où il y a eu quand même deux participations algériennes en court-métrage et en long-métrage. On y reviendra tout à l'heure avec mon collègue et ami, le journaliste Ilyes Benziyen. Et bien sûr, on finira ce télématin en cette matinée, ce Bonjour d'Algérie, avec un grand nom on va dire, du journalisme algérien. Alors, c'est une dame magnifique que vous allez la redécouvrir avec moi. C'est la poétesse, la journaliste et la traductrice internationale, la nationale aussi, l'algérienne. Eh bien, nous aurons avec nous Louisa Nador. Elle sera là parce qu'elle nous prépare à nous offrir, justement, elle se prépare à nous offrir, justement, un très grand événement le 3 juin au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alou. Là, et bien voilà tout pour cette matinée. J'espère que notre programme répondra à vos attentes. Et bien, comme d'accoutumée, on commence notre Bonjour d'Algérie d'Oran avec une très belle chanson, Cheb Mami, et on se retrouve juste après. مجت في بالي مجت في بالي مجت في بالي هي تحور في لي وجوالي مجت في بالي مجت في بالي مجت في بالي هي تحور في لي وجوالي يا جلالي ويا جلالي هالمولى في دار هداوي خالي ويا جلالي ويا جلالي غضالي هالمولى في دار هداوي حالي وصحاب البارو وصحاب قول 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 ايه وصحاب قول 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 ايه وصحاب ايه وصحاب ايه وصحاب ايه وصحاب قول ايه وصحاب ايه وصحاب ايه ويا جلاليك ويا جلاليك هالمولى بغداد الهداوي حالي ويا جلال مضالي ويا جلاليك هالمولى بغداد الهداوي حالي وصحاب البارود وصحاب البارود وصحاب البارود والكهربي يا وصحاب قول قول يا وصحاب قول
وصحاب ايه وصحاب ايه وصحاب انتوما هوينا انتوما هوينا ايه ويا جلالك يا جلالك هنويا الفدان هداوي حوالي ويا جلالك ويا جلالك هنويا الفدان هداوي حالي C'est une très belle chanson interprétée par une très très belle voix de Cheb Mami. Eh bien, je présente mes voeux d'un bon anniversaire à notre ingénieur de son, Souad Bey. Alors, c'est elle qui vous a choisi cette belle chanson. Alors, heureux anniversaire, Souad, à toi. Et j'espère beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que de belles choses. Eh bien, joyeux anniversaire encore à toi, Soussou. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler d'une nouvelle technique de pointe. C'est la chirurgie endo-urologique laparo-assistée. Alors, déjà, même moi, je ne sais pas. Vraiment pas du tout de quoi il s'agit. Je ne suis pas médecin, Lara Lepin. Donc, c'est la raison pour laquelle où on reçoit avec nous eh bien, le professeur éminent, Mustapha Jamel Youssfi. Alors, lui, il est professeur, chef de service du service de chirurgie urologique à l'EHU d'Oran et président du conseil scientifique de l'EHU d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous nous avez ramené l'un, on va dire, qui fait un médecin qui fait partie de votre, on va dire, de votre entourage, de votre équipe aussi. Alors, c'est docteur, Malik Hafef. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous êtes maître assistant au service d'urologie. Au sein de l'équipe du professeur Youssfi. Au sein de l'équipe du professeur Youssfi, vous êtes bien encadré apparemment. Tout à fait. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie un petit peu très ambiguë, on va dire, et très complexe. Et on aimerait bien connaître un petit peu qu'est-ce que l'urologie. On entend parler urologie, chirurgie, etc., mais on ne connaît pas. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'urologie, qu'est-ce que cette spécialité ? L'urologie, bonjour. Tout le monde, bonjour Inan. L'urologie, c'est la première spécialité qui a émergé à peu près le 19e siècle. Donc, parce qu'il y avait encore, c'était les premières chirurgies où il y avait des chirurgies de la pierre, qu'on appelle. Donc, ça ouvrait un peu le périnée pour enlever des calculs, etc. Donc, elle a un petit peu pris son indépendance. L'urologie actuelle est complètement différente. Et cette urologie, au niveau mondial, peut-être c'est la spécialité où il y a eu le plus de progrès. Progrès, je parle du point de vue scientifique, du point de vue matériel, du point de vue consommable, de tout point de vue. D'ailleurs, c'est elle où il y a actuellement le plus de robotique. Et il y a plusieurs domaines et de sous-spécialités dans cette belle spécialité. Notamment, on a la cancérologie, il y a les troubles urinaires de l'homme, il y a la pelvipérinéologie de la femme, il y a l'andrologie et la médecine sexuelle, il y a aussi les calculs urinaires, il y a aussi toutes les... infectiologie. La neuro-urologie. Et ça, c'est en rapport avec les gens qui sont paraplégiques, c'est ce qu'on appelle les vessies neurologiques. Il y a très peu de temps, le service a acquis quand même un appareil très récent, c'est ce qu'on appelle l'uromanométrie, et qui va permettre aussi de prendre les pressions pour indiquer d'éventuels traitements pour ces vessies neurologiques. Je suis à la tête de ce service depuis 2007. Les activités n'ont pas commencé tôt.
Et les activités chirurgicales, on les a démarrées en 2010. Depuis quelle année vous êtes à la 2007. Ah, quand même, ouais, vous en avez fait un bon chemin. Ouais. Parce que déjà, quand on est à l'extérieur de l'EHU, quand on entend parler justement de ce service, c'est ce qui a attiré mon attention en fait. D'accord. Donc, tout le monde parle du bien de ce service. Merci. D'ailleurs, merci. Oui. Merci. Il est très prisé par, on va dire, par tous les malades qui sont en rapport avec l'urologie. Ouais. Et ce service, donc... Et aussi, en contrepartie, il ne faut pas oublier que c'est le plus jeune service d'Algérie, parmi les plus jeunes, les plus récents. Tous les autres services sont beaucoup plus anciens. Et donc, les activités ont commencé en 2010. Dès le départ, il y a eu le recrutement de l'équipe et tout. Et Dr Hafaf, c'est le dernier recruté des maîtres assistants. Donc, c'est le plus jeune. On a de la chance. Hein. Voilà. Le plus jeune. Je suis entouré d'une équipe très, très jeune. Donc, et dès le départ... J'ai essayé de donner à chacun un domaine de compétences pour essayer d'avancer dans leur carrière, parce que même les normes ont changé. Ça, c'est très important, justement, parce que là, quand vous, on va dire, vous parrainez quelques résidents, quelques maîtres assistants aussi, c'est que vous détectez leurs points forts et leurs points faibles. Ouais. Et à partir de là, vous essayez de les diriger dans le bon sens. Et là, donc, chacun a un domaine de compétences. Au fil des années, ils sont arrivés quand même à une certaine expertise, parce qu'on ne doit pas oublier aussi qu'on ne peut pas faire de tous les services d'urologie d'Algérie de la même façon. Donc, il faut certains services qui doivent émerger par rapport à d'autres. Et ça répond un petit peu à l'objectif principal de l'établissement, qui doit être aussi et continuer à se développer pour être un pôle d'excellence. Et ceci dit, c'est surtout pour une réduction des transferts à l'étranger des patients. Et avec ces techniques mini-invasives, on a remarqué que depuis quelque temps, il y a eu une révolution en urologie. Et ces techniques ont permis d'écourter le séjour moyen, de réduire le taux d'occupation des lits et le taux de rotation de ces lits. Et donc, par conséquent, il y aura une réhabilitation très rapide des patients au niveau social et professionnel. Alors, rapide, quand vous dites un rétablissement, très rapide, c'est-à-dire, vous les mettez en combien de temps? C'est-à-dire, ces techniques mini-invasives, il ne va pas y avoir des grandes balavres et tout. Donc, ça ne va pas mettre du temps pour guérir. Mm-hmm. Et donc, très rapidement, ils peuvent sortir au bout de 24 heures, 48 heures, et reprendre leur boulot au bout de 15 jours. Donc, ce qui n'était pas possible au début. Avant. Au début, c'était au moins deux mois. Et les techniques mini-invasives en urologie, c'est pas comme les autres spécialités où il y a uniquement de la céliochirurgie ou ce qu'on appelle la laparoscopie. Mm-hmm. Mais l'avantage qu'on a en urologie, c'est qu'on a l'endo-urologie et la laparoscopie. Alors, là, je vous arrête, professeur Youssefi. Je le rappelle que vous êtes professeur en chirurgie urologique. Eh bien, aujourd'hui, ça tournera autour de la nouvelle technique. C'est une technique de pointe, d'ailleurs, chirurgie endo-urologique laparo-assistée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette nouvelle technique de pointe? Je laisserai peut-être Dr Hafaf. Dr Hafaf, très voilà, bien. C'est surtout pour faire la différence entre l'endo-urologie et la laparoscopie. Oui. Plutôt définir. Très bien, pourquoi pas. Alors, la laparoscopie ou la célio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de mettre une caméra dans le ventre et mettre deux ou trois autres pinces pour aller traiter un organe, enlever une tumeur, réimplanter quelque chose, etc. Et ça, c'est la céliochirurgie. En fait, on voit à l'intérieur de l'abdomen ce qui se passe à l'intérieur, au lieu de faire une grande incision et d'aller traiter cet organe directement. Mm-hmm. Et comme l'a dit le professeur, c'est l'endo-urologie, par contre, c'est le fait d'aller directement dans les voies urinaires,
c'est-à-dire y aller par les voies naturelles ou aller directement dans le rein sans passer par le ventre, c'est-à-dire créer un trajet vers le rein, vers les voies urinaires, sans passer par le ventre. Et en fait, cette technique que nous avons pratiquée il y a quelques semaines déjà, c'était dans un cas assez rare et complexe où utiliser une seule de ces techniques ne suffisait pas. Et ce que nous avons fait en fait, c'est d'allier les deux. Et nous avons d'abord commencé par exemple par une cellio pour aller libérer ce rein qui était au beau milieu des intestins. Et ensuite, nous avons utilisé la technique d'endourologie pour aller casser un calcul à l'intérieur. Éclairer un petit peu ma curiosité. Quand vous dites libérer ce rein qui était dans l'abdomen. Oui. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ouais. D'accord. C'est-à-dire c'est un rein qui était anormalement situé dans l'abdomen. Justement, voilà. Et en fait, l'accès par les techniques habituelles. Justement, puisqu'on parle de cette nouvelle technique, parce qu'il y a des images qui vont passer maintenant. D'accord. Donc, vous allez devoir les commenter. Alors, voilà. Donc, c'était en pleine chirurgie, là. Parfait. Je vous laisse. Allez-y, oui, professeur, ici. Complètement. L'avantage, ça, c'était surtout pris lorsqu'on a fait le workshop et ça a concerné un peu les techniques pour les tumeurs rénales des néphrectomies partielles. Parce qu'actuellement, pour les tumeurs qui sont petites, on n'enlève pas tout le rein, on enlève une partie du rein. C'est une chirurgie qui est un peu dangereuse parce qu'il faut maîtriser un peu les vaisseaux et tout, essayer de les clamper, avoir un flux, un clampage pour travailler de façon exsangue. Oui. Et le problème, c'est que ça se faisait surtout par chirurgie ouverte où la célioscopie, la laparoscopie, était difficile parce qu'on avait peur qu'il y ait un saignement, on n'a pas le temps d'intervenir à travers ces orifices. Mais quand même dans le service, mon équipe a commencé ses interventions de céliochirurgie, ça fait depuis 2014. L'avantage, c'est que toute l'équipe se déplace pour les congrès, elle fait pas mal de stages, on reçoit des experts, on va chez eux, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, on a quand même un échange des différentes techniques qui se passent en Algérie et pays. À l'étranger. Mmh, mmh. Et c'est ça qui fait cet échange, généralement, essaye de développer toute la technique. Eh bien, cette technique, pardon, de laparoscopie, d'endourologie, laparo-assistée, c'est un rein qui se trouvait mal formé en position pelvienne, derrière la vessie, et qui avait des calculs à l'intérieur. Pour y accéder, si on passait uniquement par la peau, on risquait de toucher les anses intestinales. Donc ce qu'on a fait, on a associé les deux techniques en mettant deux colonnes de céliochirurgie, une pour libérer le rein et tout à l'intérieur, et la deuxième qui est spécialisée dans la percutanée, elle est rentrée pour faire la ponction du rein sous contrôle visuel, et c'est pour ça qu'on est arrivé à détruire le calcul par laser. Il faut savoir que cette technique, il n'y a pas très longtemps, on était en congrès avec en Europe et tout, et la plupart, pour ces techniques d'endourologie, quand les reins sont en position normale, ça se fait le plus normalement du monde. Le problème de ces reins qui sont en position pelvienne et tout, ce qui restait comme technique, c'était la chirurgie, c'était ouvrir et casser ces calculs, ou bien les enlever. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une première. Oui, voilà, c'est très. Il faut être vraiment bien précis. Bien sûr. Donc, c'est une très grande responsabilité. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez eu peur avant d'entamer cette intervention? C'est normal. On a discuté, on a bien revu le cas, essayé de voir tout le bilan, les radiologies, etc. Et quand on a décidé de l'opérer, donc il y a eu cet acte. Bien sûr, on était tous impliqués dans l'intervention, mais il faut savoir aussi que, je vous ai dit au début que c'est mon équipe, ils ont des domaines de compétences. Oui. Certains sont dans la célioscopie, d'autres dans l'endourologie, et ça m'a permis de les associer tous les deux. Donc il y avait des célioscopistes avec des endourologues qui ont travaillé ensemble, et ça c'était notre fierté, parce qu'il n'y a pas très longtemps, des experts, on leur a posé la question, ça reste toujours pour ces reins mal posés, l'intervention chirurgicale. Oui. Donc nous,
On a fait cette première intervention, donc par voie endo-urologique laparo-assistée, et en cherchant, bon, au début j'avais cru que c'était la première au Maghreb, mais finalement c'est... Non, je me suis trompé, c'est la première en Afrique. Donc, Permettez-moi, professeur et docteur Hafeb, de vous dire chapeau bas. Merci à vous. Merci, chapeau bas. Alors là, c'est que, on va dire, l'intervention, elle dure combien de temps? Elle a duré à peu près... Une heure. Une heure à peu près une heure. Alors, je vais vous dire, quand vous étiez en train de nous expliquer, voilà, je me suis dit dans les 6, 7 heures, 8 heures, facilement. Non. Et finalement, c'est non. Une heure. Est-ce que vous êtes assisté par un robot, par ordinateur, par... Non. Non? Malheureusement, non, parce qu'en Algérie, c'est ce qui nous manque aussi. D'accord. C'est... Parce que actuellement, toutes les techniques qu'on a au niveau de notre établissement, oui, ils sont faites, oui, et c'est un service qui répond aux normes internationales. Oui. Il n'y a pas de doute. Oui. Avec toutes les... D'ailleurs, on en a fait des reportages, oui, pour montrer tout ce qu'on a comme matériel peu. Et tout. Voilà le matériel qu'il y a à, oui, l'EHU. Donc... Sauf actuellement, quand on va au congrès et tout, ça bloque un petit peu la chirurgie robotique. Et c'est normal. Qui n'a pas encore commencé en Algérie. Ça va démarrer, certainement, ça va démarrer, parce que déjà, on a commencé par tous les secteurs. Donc, on essaye un petit peu de révolutionner, d'une certaine façon, le secteur de la santé. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui peut bénéficier de cette intervention? Oui, alors, dans le service, nous traitons tous les patients qui ont des calculs au niveau du rein, au niveau de la vessie, enfin, par ces voies mini-invasives. Alors, déjà, je profiterai pour dire qu'on a développé cette passion pour la chirurgie mini-invasive, notamment la cœlioscopie. Alors, ce qui est très gratifiant, c'est de voir nos patients sortir au lendemain, de marcher normalement, de reprendre leur activité professionnelle parfois 3-4 jours après, hein, pour certaines chirurgies. Et aussi, quand on revoit aussi un patient après quelques semaines en consultation, qu'on sait qu'on l'a opéré pour une grosse tumeur et qu'on se met à chercher une petite cicatrice qui ne se voit même plus, ça c'est très gratifiant. Et là, en fait, vous le voyez le chirurgien. Ça fait plaisir. Ouais. Et oui. Oui, allez-y. Donc en fait, voilà, pour revenir à cette technique, en fait, tous les patients qui présentent des calculs au sein de notre service sont traités exclusivement par voie mini-invasive, endo-urologique ou laparoscopique, et qui peuvent reprendre leurs activités très très rapidement. Alors je reviens toujours vers le professeur Youssoufi, ou vers vous d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un volet de formation justement au sein de l'EHU d'Oran. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces formations qui se font durant toute l'année? C'est toujours avec Dr Hafef. Oui. En fait, moi-même, j'ai eu la chance d'être médecin résident et d'avoir été formé dans ce service avant même de revenir en tant que maître assistant. Mm-hmm. Et donc, déjà par rapport à la formation initiale de base, on va dire, pour l'urologue spécialiste, c'est sans aucun doute la meilleure formation dans notre pays. Après, nous avons aussi eu la chance de côtoyer les plus grands experts internationaux au sein même de notre bloc, donc qui ont été invités pour des journées de workshops, de journées scientifiques, et en fait où nous avons eu à opérer des patients avec les plus grands experts dans notre bloc opératoire à l'EHU d'Oran. Et voilà, ça c'est très très important, ça nous a permis d'évoluer de façon beaucoup plus rapide. On profite de l'expérience de grands experts. Donc pour ce volet de la formation, voilà, c'est bien sûr grâce à notre professeur, à son dynamisme, à ses encouragements, oui, d'aller toujours de l'avant, et bien sûr de toute l'équipe, hein, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Très bien. Alors, un dernier mot, professeur Youssoufi, parce qu'on arrive à la fin de votre passage, si vous voulez rajouter... Ouais. Mm-hmm. Je voulais parler très rapidement de l'urologie connectée aussi, surtout qu'on est dans l'ère de la numérisation. Oui. Et donc, pour information, c'est le seul service peut-être qui dispose d'une application pour l'évaluation des médecins résidents en urologie. Les médecins résidents, on a une application qui s'appelle CARES. Il y a aussi le dossier électronique médical, le DEM, qui existe dans notre établissement
Et donc, véritablement, c'est un outil qui est très, très important et qui nous permet d'arriver au point zéro papier, donc d'avoir cette chance dans l'établissement. Mm-hmm. Et aussi, en tant que président du conseil scientifique, justement, je voudrais vous êtes attirer, là, d'ailleurs, avec la double casquette. Attirer votre attention, surtout qu'on est aujourd'hui, c'est la journée sans tabac. Exactement. Donc, à l'heure où on parle maintenant, il y a un événement qui se passe au niveau de l'établissement, Journée sans tabac, qui a été organisée par le ministère de la Santé au niveau de l'établissement. Mm-hmm. Il y a pas mal de spécialités qui essayent d'émerger et de voir. Il y a en pneumo et en chirurgie thoracique où on a reçu le professeur Suilamas, qui était aux États-Unis, à Cleveland, et qui permet d'accompagner ses équipes dans la bronchoscopie. Donc, c'est aussi des techniques mini-invasives pour éviter les thoracotomies. Il y a le TAVI, qui est dans l'interventionnel en cardiologie, en chirurgie cardiaque. Et il faut savoir que notre établissement, c'est le seul à avoir disposé des deux services en même temps, de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. Il y a aussi tout le volet de la transplantation d'organes qui est très, très important. Ce volet, il est très important Il y a la greffe rénale qui se fait. Qui se fait actuellement, d'ailleurs. Par mon équipe et l'équipe des anesthésistes réanimateurs. Et où en est le projet de la greffe hépatique? Justement, pour la greffe hépatique, il est en cours. Et je pense qu'à très, très moyen terme, il y aura aussi la reprise de la greffe du foie. Justement, et aussi toute la préparation pour la greffe du poumon et tout. Et je profiterai aussi de remercier aussi tout le staff administratif depuis longtemps qui nous a accompagnés. Et grâce à lui, on est arrivé à ce niveau-là. Oui. Que ce soit pour les équipes médicales ou paramédicales ou tout le monde, des équipes techniques et administratives, donc tout le staff administratif qui s'est fait depuis feu Dr Mansouri Lahmo, en passant par pas mal de staff administratifs. Et le dernier, c'est M. Bach, donc, qui est à la tête de cet établissement et qui essaye de faire énormément. Et il n'a pas hésité un instant pour tout le matériel qu'il faut et qui donne un autre dynamisme. On espère le recevoir dans un de nos bonjours d'Algérie à Oran. Eh bien, pourquoi pas la prochaine fois, pour nous parler un petit peu de ce qui va se passer à l'EHU, parce qu'il y a tout un programme. D'ailleurs, à l'arrivée de M. Barr à la tête de l'EHU d'Oran, d'ailleurs, on a des renseignements qu'il prépare beaucoup de choses en ce qui concerne la santé dans tous les services, d'ailleurs. Dans tous les services. Et je profiterai aussi pour informer les gens que le 4 et le 5, donc le samedi, dimanche, il va y avoir le congrès de neurochirurgie. Aussi, ça va être un événement très, très important au sein de notre établissement. Très bien. Donc, c'est à partir de quelle heure, le matin? Le matin, à partir de 8h30. Très bien. Donc, à 8h30, à l'EHU d'Oran, le congrès international de neurochirurgie. Merci beaucoup, professeur Youssfi. Ce fut un plaisir de partager avec vous merci le plateau. Vous. Merci beaucoup, docteur Melik Hafef. Je le rappelle que vous êtes maître assistant en chirurgie urologique. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Alors, quant à moi, je vous emmène avec moi à un sujet. Alors, sujet réalisé par Ilyes Benzien, notre journaliste, bien sûr, sur la troisième édition du Salon international du recyclage. Et on se retrouve juste après. Le recyclage de déchets industriels ou ménagers est un procédé de traitement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. En réintroduisant certains matériaux dans de nouveaux produits, ce procédé s'impose comme un plan écologique de valeur, créateur de milliers de nouveaux emplois. À cet effet, le centre de convention d'Oran a abrité la troisième édition du Salon international du recyclage, Recycling Expo.
ريسايكلين اكسبو سي صالون الدولي للرسكله معالجه النفايات الطاقات المتجدده التنميه المستدامه وحمايه البيئه. هذه الطبعه الثالثه اللي عرفت مشاركه مجموعه من المؤسسات العموميه والخاصه الناشطه في المجال البيئي والطاقات المتجدده. الشيء المميز في هذه الطبعه هي وجود مؤسسات ناشئه اللي راهي عندها نظره جديده او دراسات جديده في على هذا المجال. كاين ايضا تنوع المحاضرات والندوات بين التطبيقي والنظري، مشاركه الجامعات الجزائريه اللي راح تفيدنا بدراسات واستشرافات مستقبليه الخاصه بالبيئه والتنميه المستدامه. Aujourd'hui, nous sommes présents pour mettre en avant et pour accentuer notre présence dans le secteur énergétique et la protection de l'environnement en mettant en avant la filiale Aqua Solution. Nos domaines d'activité stratégique, c'est le domaine de traitement des déchets, à savoir le tri des déchets, la valorisation des déchets aussi. Aussi, on a la partie traitement des eaux, spécialement les eaux issues des industries où ils sont des eaux polluées par des hydrocarbures. Dans le prototype qui est ici, je vous présente notre dernière création. Alors, c'est un séparateur d'hydrocarbures et aussi un séparateur des eaux huileuses. C'est un équipement destiné à séparer les eaux contaminées par les hydrocarbures et aussi contaminées par les huiles industrielles. C'est un système très simplifié où on trouve un filtre qui fait la séparation des eaux de la partie polluée. Regroupant une cinquantaine d'exposants, cette édition entend rassembler les professionnels de l'environnement désirant s'investir et investir dans le domaine de la valorisation des déchets. Alors notre groupe existe depuis l'année 2008 et à partir de l'an 2020, la société a pensé à la filialisation, d'où la création de la filiale Aqua Solution qui s'occupe principalement à la protection de l'environnement. Et vu que l'ampleur de la demande de nos clients en ce domaine, nous avons créé la filiale de telle façon à pouvoir répondre à nos clients. تشارك المؤسسة العمومية الكثير مراكز الرد التقني في ولاية وهران في الطبعة الثالثة للصالون الدولي لاسترجاع تثمين ورسكلة النفايات بهدف تعريف بنشاطاتها. النشاط الرئيسي والأول هو رد النفايات المنزلية والهامدة، ونشاط ثانوي هو استرجاع فرز وتثمين النفايات القابلة للرسكلة. Société est engagée depuis 2020 dans le domaine de recyclage et de la récupération des déchets. Donc ce domaine qui a un impact sur l'environnement et qui donne une deuxième vie aux matériaux d'où on peut le recycler, des différents matériaux. Donc notre société est spécialisée dans la transformation des produits en plastique. On a commencé depuis 2022 et durant cette année, on a récupéré presque 3000 tonnes à partir du centre d'enfouissement du Hassibounif. Une initiative qui a trouvé un écho favorable de la part de certains visiteurs. Ça fait plaisir de voir ce marché comme ça. Déjà, je suis dans la maison qui me dit que je vais faire un effort pour que les déchets arrivent les bacs et tout, mais d'abord, ils sont frozen. متوافقة وتمشي في بلادنا وانا عامل في مؤسسة أصيام البوزيري بالبليدة نخدمو لي ماشين تاع الريسيكلاج والومبالاج وماذا بينا البيئة هذه دائما تبقى في بلادنا علاش البيئة هذه مليحة الريسيكلاج هذايا باش الشباب تاعنا يكون واعي. Accompagné d'un riche programme de conférences, cette troisième édition qui s'étend jusqu'au 1er juin œuvre à exploiter l'ensemble des perspectives de l'économie circulaire en Algérie et ce pour une transition économique durable.
Eh bien, je disais à mon invité que vous êtes la spécialiste, pas moi. Donc, voilà. Eh bien, la troisième édition du Salon international du recyclage. Eh bien, l'organisateur, M. Ammar Mohamed Foued, est là. Bonjour. Bonjour, Iman. Ça va? Très bien, vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque année. Le plaisir est partagé, Iman. Alors, quand je vous vois, je sens que j'ai... Pourquoi? Donc, oh là là. On commence à vieillir, là. Ça va? Très, très bien, et vous? Bien. Je suis très ravi. Très bien, ben, nous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Très bien, alors, et là, vous êtes accompagnée de madame Amina Bel. Non, Amina El Mogharbi. Oui. Voilà, ça va, j'y arrive. Alors, vous êtes ingénieure d'État chargée du projet Tri Sélectif dans une société nationale. Bonjour. Bonjour madame, merci ça pour va? L'invitation. Alhamdoulilah. Ah ben, ça fait oui. plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, la troisième édition. Parlez-nous un petit peu de la troisième édition. D'ailleurs, le salon commence à grandir. Hein? Tout à fait. Il a trois ans déjà. Hein? Oui, enfin trois éditions, pas trois ans, parce que déjà, on s'est absenté pendant quelques oui, moments par rapport à la... Oui, j'ai dit trois ans, c'est-à-dire tout que à fait. Lui, il a trois ans. Tout à fait. Donc après une petite absence, on est de retour en force par rapport aux éditions précédentes. Oui. Donc là, il y a une participation massive. Par rapport pour les exposants. Et il y a une diversification des exposants. Donc, il y a, en plus de ça, il y a participation des start-up cette fois-ci qui sont des porteurs de projets dans le domaine. Justement, on a vu dans les images que Ilyas Benzien nous a ramené cette fois-ci, c'est qu'il y avait une forte participation tout à de fait. Jeunes. Tout à fait. Et de jeunes start-upers. Tout à fait. Mm. Là, ça, c'est une, là, on peut dire qu'il y a une forte, les gens s'intéressent de plus en plus à ce sujet, à ce domaine. D'ailleurs, ce domaine il concerne tout le monde, hommes, femmes, jeunes, tout le monde est intéressé par l'environnement. Et spécialement, tout ce qui est collecte, recyclage, traitement des déchets, protection de l'environnement et tout ça. Et tout ça. Donc voilà, alhamdoulilah, une bonne combien participation. Combien de participants? On est dans les 50. D'accord, ok. Ouais. Donc, et ça se passe bien. Quelles sont les conférences animées? En fait, il y en a plusieurs conférences, surtout les solutions. Parce que le but de ce salon, c'est, on va dire, c'est une plateforme. Là, on se réunit ceux qui ont des problèmes, par exemple, ceux qui n'arrivent pas, ne trouvent pas quoi faire avec leurs déchets. Et il y a ceux, les collecteurs, qui cherchent les déchets pour les réutiliser pour une autre fois. Redites-moi ça. Il y en a ceux qui ne savent pas. Ou bien ils ne trouvent pas comment faire avec leurs déchets. Avec leurs déchets, exactement. Et là, c'est une très belle perche que vous me tendez, puisque nous avons avec nous Madame Amina El Mogharbi. Alors, vous faites partie d'une société nationale oui. du recyclage, oui. c'est ça? EPIC CET, oui. Voilà, EPIC CET. Alors, parlez-nous un petit peu des, on va dire, c'est-à-dire, quelles sont les missions primaires de cette EPIC CET? Alors, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial chargée de la gestion des centres d'enfouissement technique des déchets. Ici à Oran? Ici à Oran, oui. D'accord. Donc, l'activité principale, c'est l'enfouissement technique des déchets ménagers. D'ailleurs, nous avons trois CET de classe 2, déchets ménagers. Le deuxième plus grand en Algérie, c'est celui de Hassib Ounif. Oran S, c'est celui d'Arzeux. Et nous avons un autre centre d'enfouissement technique à Oran Ouest, à Al-Ansar. Mais notamment, nous avons un autre centre de traitement des déchets inertes. Tout ce qui est déchets de construction, des blés, remblés. Oui. Et nous avons aussi deux... C'est qu'on se pose ouais. tout le temps la question quand on voit ces déchets-là. Mais comment on peut les dissoudre? De quelle façon? Comment on les, on va dire, on les ramasse? De quelle façon? À chaque fois quand on passe et on voit des déchets pareils, c'est qu'on se pose vraiment cette question. Par rapport aux déchets inertes? Oui. Donc, au niveau des casiers des centres du centre d'enfouissement technique d'El Breya, oui. on les concasse, puis Nerd Moham, de l'enfouissement technique des déchets inertes. Ah, voilà, très bien. Et le centre, c'est le seul centre au niveau de la wilaya d'Oran, il reçoit les déchets des 26 communes. Ah, d'accord, très bien. Ouais. Ben, en le comparant avec les centres des déchets ménagers, il y en a trois. Mais le centre des déchets inertes, c'est une autre. Et là, on voit justement que vous participez à cette troisième édition du Salon international du recyclage. Eh bien, quel est, on va dire, le but de votre participation à ce salon?
Vous, en tant que professionnel. Oui, donc le but de notre participation à la troisième édition du Salon de recyclage Recycling Expo, c'est de présenter les activités de l'entreprise. C'est l'échange. Il est très important de savoir comment que les entreprises publiques ou bien nationales ou même privées, comment qu'ils fonctionnent. Effectivement, oui. Voilà, les procédures d'achat, les procédures de vente, comment ils font pour avoir de nouvelles technologies, et quelle est la technologie nouvelle par rapport au monde de recyclage, de traitement et de tri. Et de tri, voilà. Donc je reviens vers vous, Monsieur Mohamed Fouad Ammar. Je le rappelle que vous êtes l'organisateur du salon, on va dire en général, du salon du recyclage. Eh bien, quelle est la nouveauté cette année? Écoutez, quand je vous ai dit cette fois-ci, c'est la participation massive des startups. Donc il y a des porteurs de solutions, on va dire. Parce que c'est magnifique de voir cette évolution dans le domaine et la facilité pour surtout les sociétés. Donc, eux, il y a des gens qui d'abord, ils cherchent quel est le problème des sociétés qui les dérangent. Et à l'heure de leur côté, ils essaient de leur trouver la solution. Donc, par rapport à ça. Ça, c'est très bien. Ouais. Alors, et quelles sont les conférences les plus importantes, justement, animées par des professionnels? Écoutez, hier, il y avait un débat qui était animé par un professeur d'université de Mascara. Mm-hmm. Avant-hier, et c'était un exposant qui a proposé une solution dont moi, personnellement, j'étais étonné par rapport à ça. Et il va y avoir aujourd'hui d'autres conférences et débats par d'autres exposants. Donc, c'est une coopération algéro-allemande. Et le dernier jour, il va y avoir aussi des professeurs de l'université d'Oran. Donc pour animer les conférences. Donc pendant les 4 jours, il y a des conférences, donc c'était plein pour les 4 jours. Très bien. Alors je reviens vers vous, Madame Amina El Morabi. Alors quel intérêt pour le tri sélectif? Donc notre intérêt, l'intérêt de l'entreprise, c'est de promouvoir et d'instaurer la culture du tri sélectif auprès des écoliers, des citoyens. Et comment vous faites? Comment vous procédez? Donc, la première des choses, on anime des journées de sensibilisation et on organise des journées d'information. Je voulais arriver à ça, aux journées de sensibilisation qui sont très importantes. Tout au long de l'année. Ah, très bien. Sans arrêt, même pendant l'été. Ah, c'est bien. Au niveau des écoles, des CEM, les 3 paliers. Des lycées, des universités et au niveau aussi des centres de formation professionnelle. Oui. Oui, mais même aussi au niveau des entreprises économiques. Ah, très bien. Alors, et nationales. Alors là, c'est que vous m'aviez dit juste avant d'être en direct, vous m'aviez dit que le PECIT. EPICET, c'est difficile pour moi. Que vous avez une grande nouveauté, unique en Algérie. Unique en Algérie, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette expérience est par rapport au centre urbain de tri sélectif. C'est des centres d'apport volontaire. Donc, nous avons le plus grand, se situe à Dinjdida, en face du jardin public. Oui. Et le nouveau, à Hayl Aqid Lotfi, donc juste à côté en face de Bellevue. Voilà. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est le nouvel Oran, quoi. Exactement. D'accord. Donc, c'est des centres d'apport volontaire. Donc, chaque centre reçoit journalièrement des quantités énormes de déchets recyclables collectés et ramassés par les amateurs de l'environnement, puisque c'est centre d'apport volontaire. Donc, c'est ouvert H24 et 7 sur 7. Donc, nous recevons tout ce qui est plastique, papier, fer, verre et aluminium. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui collectent ces déchets et qui vous les ramènent? Est-ce qu'ils font cet effort? Bien sûr. Bien sûr, les citoyens, ils y en a chaque jour, donc en masse. Ah, c'est bien. Oui. Et nous avons nos moyens de collecte. Très bien. Alors, qu'attendez-vous du salon? Qu'attendez-vous de votre participation au salon du recyclage? C'est l'échange.
c'est l'échange d'expérience et d'expertise et d'enrichir notre agenda par rapport aux sociétés de location d'engins, par rapport aux sociétés d'entretien et maintenance d'engins, mais aussi pour connaître les recycleurs et les ramasseurs de déchets. Très bien. Voilà. Alors, pour vous, la tenue du salon du recyclage, est-ce que c'est quelque chose de positif? Bien sûr. Dans quel sens? On est fidèles. On est fidèles. Donc, ce n'est pas votre première participation? Non, c'est la troisième participation. Ah, d'accord. Très bien. On participe à chaque édition. À chaque édition, vous êtes présente. Et à chaque édition, il y a du nouveau. Voilà. Et la nouveauté cette année, bien sûr, comme nous l'a dit M. Hamma, c'est les start-up. Est-ce que vous avez eu des échanges avec ces jeunes start-upers? Bien sûr, quand madame à M. Fouad, avant de rentrer en l'année, 80% des visiteurs, c'est des jeunes étudiants, c'est des porteurs de projets, c'est des start-up. Voilà, les 20% restantes, c'est des professionnels, c'est des recycleurs, les gens pour voir les nouveautés du salon. Eh oui, eh ben voilà. Donc, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et merci de nous avoir un petit peu éclairé sur les missions primaires de l'EPIC ECT. Voilà. C'est bon, je suis arrivée à la fin. Un dernier mot, M. Ammar Fouad, si vous voulez rajouter quelque chose. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, voilà, le but de ce salon, c'est l'évolution de chaque année et la sensibilisation et la progression dans ce domaine parce que c'est un sujet d'actualité et qui concerne, comme je vous ai dit, tout le monde, hommes, femmes, enfants et tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. 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 Il y aura une quatrième édition? Inch'Allah, le 27 janvier, Inch'Allah, 2024. Eh bien, on se donne rendez-vous le 27 janvier, ici même, au bonjour d'Algérie. Voilà. Au bonjour d'Algérie. Inch'Allah. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Eh bien, une petite, on va dire, un sujet réalisé par notre journaliste Souaid Ben Atiya. Alors, lecture Selim Skandar de l'Association des fidèles qui œuvre au patrimoine et l'authenticité. Eh bien, on se retrouve juste après. L'anniversaire de la création de l'Association des fidèles au patrimoine oranais s'est déroulé en présence de plusieurs figures artistiques de la wilaya d'El Behia. من أهدافها هو الحفاظ على التراث الموسيقي الوهراني، الحفاظ على التراث اللباس التقليدي، محافظة على الهوية الطفل، المحافظة على الاسم الأغنية الوهرانية من القدام إلى المستقبل، والحمد لله كما تشوفوا هنا كفنان صابر هواري، راني نمد قد الإمكان ونتحدى وباستمرار وإبداع. باش تبقى هذه الامنيه الاغنيه الوهرانيه عند الشباب اتمنى له كل الرقي والازدهار والنمو ومحاوله طبعا تقديم الجديد خاصه في الاغنيه الوهرانيه وحتى غير الوهرانيه والرقى بالفن الجزائري كيما احنا حملنا الرساله نتاعنا من طرف مشايخنا وحافظنا عليها وهذا دليل انه هذه الجمعيه عندها يعني بعد ورايحه ان شاء الله توصل جيل ورا جيل ان شاء الله. La célébration a été ponctuée par des pauses musicales, des sketchs et un défilé de mode mettant en avant le riche patrimoine vestimentaire oranais. بينا احنا يعني نتعاونوا كاع ونحافظوا على التراث الجزائري الاصيل وبالخصوص مدينه طهران يعني ما ننسوش باللي الجزائر غنيه بتراثها بثقافتها بلهجاتها سكي في نسخ ديفيرونس يعني لا ديفيرسيتي ارجيريان ما راهيش غير في امور اخرى ولكن حتى التنوع الثقافي ما يخلينا يعني ما يخلينا غيش في هذا الامر مبادره مليحه وان شاء الله نتمنوا جمعيه الشبانيه الشباب الاوفياء للتراث والاصاله ان شاء الله نتمنوا لها المدى الطويل وان شاء الله تكون في تطور وان شاء الله وحنا نعرفوا وهران يعني بتقاليدها وهران بالاغنيه الوهرانيه تاعها نتمنوا لها ان شاء الله المدى الطويل ان شاء الله. L'événement a été aussi une occasion pour l'association culturelle pour dévoiler son programme, notamment durant le festival de la chanson oranaise et faire la promotion de ce riche patrimoine. Faire la promotion de ce riche patrimoine, eh bien, on va y aller dans un autre patrimoine cinématographique, la 76e édition du Festival de Cannes, avec Ilyes Benzien, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein. Plaisir Pourquoi partagé. Vous êtes absent de Bonjour d'Algérie? Des circonstances atténuantes. Ah, c'est pas bon, là, je vais le dire à notre directeur. Hein.
Ah là 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 là. Mais non. On rigole un petit peu. Bien sûr. Étant donné que vous avez parlé de valorisation du patrimoine, il serait aussi intéressant de valoriser un peu tout ce qui est patrimoine audiovisuel, cinématographique en particulier, oui. Avec l'organisation, justement, comme vous l'avez dit, de la 76e édition du Festival de Cannes, une édition qui a beaucoup fait parler d'elle, d'ailleurs. Justement, alors, oui. Alors, cette édition... vous allez nous faire un petit peu le tour. Oui, bien sûr, parce que quand même, il y a eu quelques anecdotes qu'on ne peut pas occulter. Alors, cette édition s'est tenue du 16 au 27, donc elle s'est clôturée tout récemment, donc il y a eu l'attribution des prix, etc. On a vu une pléiade de grands artistes. Oui, et ça a été aussi assez diversifié en termes de nationalité. Donc, ça va, donc il y a eu par exemple la Turquie qui avait reçu le prix d'interprétation féminine. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas les écorcher, c'est des noms difficiles à retenir. Oui. En tout cas, ça a été pour le film Les Herbes Sèches, donc qui a obtenu le prix d'interprétation féminine. Le Japon pour le prix d'interprétation masculine avec le film Perfect Days. Il y avait aussi le Royaume-Uni qui a obtenu le Grand Prix avec le film Zone of Interest. En tout cas, le président du jury cette année a été. Alors attendez, vous y étiez là ? Non. Je suis venu que de loin, malheureusement. Non. Mais on peut suivre quand même de loin. Exactement, voilà, oui. En tout cas, le président du jury cette année, c'était quand même une pointure, parce que c'est le réalisateur suédois, Ruben Östlund, qui avait déjà reçu deux palmes d'or à son actif, donc une pour le film The Square et la deuxième pour le film Sans filtre. Donc, pour certains critiques de cinéma, c'est une grande révélation du Festival de Cannes et du cinéma en général. Et donc, lui, aux commandes de cette cérémonie de jury pour cette année, pour plusieurs, ça a été un gage de qualité. Mm-hmm. Toutefois... Oui. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé au Festival de Cannes. Justement, alors, il y a eu deux grandes surprises que je voudrais citer. Alors, la première, ça a été le retour tant attendu de Johnny Depp, qui, lui, avait complètement disparu. Oui, il avait complètement disparu après son affaire. Justement, c'est cette affaire qui lui a bizarrement redonné un regain d'intérêt. Il est en train de revenir, justement, mais bizarrement pas dans un film américain, mais dans un film français. Alors, lui, qui se débrouille plutôt bien... C'est par rapport à Vanessa Paradis, certainement, et ses enfants. Absolument. Donc, justement, il arrive à se débrouiller plus ou moins, et c'est la réalisatrice Mai Wen qui se l'est accaparée pour son tout nouveau film. Donc, Mai Wen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... Elle est plus connue comme actrice, mais elle a aussi exercé en tant que réalisatrice dans quatre projets. Mmh. Et c'est des projets qui, même s'ils divisent parfois, il y a toujours quelques points intéressants à relever. Donc, elle a fait par exemple le film Police, qui est un film très très intéressant sur le quotidien au sein de la gendarmerie française. Donc, il y a aussi le film Mon Roi, qui parle de la perversion narcissique, donc une femme qui souffre de ça quotidiennement et les impacts qu'a cette perversion narcissique sur sa personne et sur sa famille. Et donc là, elle revient avec, je dirais pas un film biographique, mais c'est plus une romance dans un contexte historique où Johnny Depp campe le rôle de Louis XIV. Donc c'est très très particulier. Donc c'est Johnny Depp tout en maquillage, etc. Et, de toute façon, il a l'habitude. Et apparemment... Attendez, dans le Pirate des Caraïbes, d'ailleurs. Le Pirate des Caraïbes, c'est un cas assez particulier. Il a eu un maquillage catastrophique, quoi. ça, c'est un cas particulier parce que c'est lui-même qui avait suggéré ce maquillage, justement, en se basant sur un rocker. Donc c'est le guitariste des Rolling Stones. Il n'est pas bizarre, par hasard. Non. Et justement, il est bizarre à l'image de ce que cherchait la réalisatrice. Donc, voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que même si les rapports entre eux étaient très très tendus, donc le mode de travail américain et français n'est pas du tout le même. Donc ça provoquait des étincelles lors du tournage, mais apparemment le film a été... C'est ce qui fait la réussite d'un produit, c'est quand il y a tout le temps des étincelles. Tout comme nous deux d'ailleurs, il y a toujours des étincelles. Je plaisante avec mon collègue. D'accord. Alors, merci pour cette petite parenthèse, d'ailleurs. Donc, bien sûr, parlons un peu de cette palme d'or. Plutôt, on va parler de la palme d'honneur cette année qui a été distinguée à deux artistes américains, à savoir Michael Douglas
et Harrison Ford. Oui, Michael Douglas, il n'est plus à présenter. Hein. Exactement, il n'est plus à présenter. D'ailleurs, c'est Oscar le mari de Catherine Zeta-Jones. Hein. Absolument. Bon, j'ai dit ça parce qu'elle est très belle. Hein. Absolument, vous êtes très très bien informé d'ailleurs. En tout cas, oui. C'est, d'ailleurs, cette fois-ci, il est monté, il a marché sur le grand tapis rouge avec sa fille et sa femme qui est Catherine Zeta-Jones. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on les a vus, c'était avec de très belles robes par contre. C'est généralement. Les belles robes et le cinéma, ça je fait bon. Je ne peux pas citer le nom, d'ailleurs, l'un des deux. D'ailleurs, c'est un grand... Ça m'étonne. Oui, voilà, je ne peux pas citer le nom. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, ça a été une exception cette année. Ils ont voulu la distinguer à deux artistes. Donc, c'est Michael Douglas, comme on l'a dit. Donc, c'est Oscar du meilleur acteur pour Wall Street, etc. Et un homme à la carrière qu'on ne présente plus. Donc, effectivement, oui. D'ailleurs, à un certain moment, d'ailleurs, c'est le fils de attendez, Kirk Douglas. De Kirk Douglas, absolument, justement, absolument. Le grand Kirk Douglas. Oui. D'ailleurs, connu à un certain Spartacus, moment, d'ailleurs. Ce jour-là, exactement. Mm-hmm. Ce jour-là, on lui a posé une question à Kirk Douglas. On lui a dit, alors, attendez, quel est le lien de parenté entre vous et Michael Douglas? Et à partir de là, vous savez qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais non. C'est là où il a dit, maintenant je vais prendre vraiment ma retraite, puisque maintenant on ne sait même plus que c'est mon fils, puisque je suis le père de Michael Douglas. Et c'est là, très bien d'ailleurs. Et c'est très bien. C'est quelqu'un qui a voulu faire sa carrière lui-même. Effectivement. Donc il ne s'est pas reposé justement sur le succès de son père, de au son point père. Où exactement, on ne fait plus le lien de parenté entre eux actuellement. Exactement, exactement. Oui. Et bien sûr, Harrison Ford... on le présente plus non plus. Alors là, Harrison Ford avec l'Indiana Jones. Absolument, qui d'ailleurs, il y a le dernier volet d'Indiana Jones qui a été présenté hors compétition. C'est la raison pour laquelle que j'ai dit Indiana Jones, non, parce que je sais qu'il a été présenté en hors compétition. Ouais. Mais bien sûr, Harrison Ford, si on veut vraiment se retrouver. Ça va, je suis un petit vous peu... Vous en sortez très 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 bien, justement. Ah ben ça va, non, je me suis dit... Ça m'évite c'est bon, de parler tout seul d'ailleurs. En tout cas, Indiana Jones. En tout cas, Harrison Ford, on pourrait retenir par exemple quelques rôles dramatiques très très importants, comme le film Witness, qui est d'ailleurs, à mon sens, son plus beau rôle au cinéma, et qui lui a d'ailleurs valu une nomination à l'Oscar. Il y a eu par exemple le film Le Fugitif aussi. Que ah oui. Lui, tout le monde le connaît par contre. Le Fugitif, oui. Tout mais ça monde. A été un immense succès, qui a aussi repropulsé sa carrière, ainsi que la carrière de Tommy Lee Jones, qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour le film. Donc voilà, donc ces deux-là ont reçu dernièrement la Palme d'Or. Mais bien sûr, il reste la récompense suprême. Enfin, eux, ça a été la Palme d'honneur, pardon. Donc la Palme d'Or, cette année, a été pour un film français, qui d'ailleurs, ça faisait un bon moment qu'un film français n'avait pas remporté cette distinction. Mm-hmm. Et ça a été pour une réalisatrice femme, qui est d'ailleurs la troisième à remporter la Palme d'Or de toute l'existence du Festival de Cannes. C'est qui? Alors, c'est la réalisatrice Justine Trier. Justine. Oui, qui est la troisième après Jane Campion pour La leçon de piano et après Julia Ducournau pour le film Titane. Donc, ça a été celle-là, Justine Trier, pour le film Anatomie d'une chute. Et d'ailleurs, une Palme d'Or qui accompagné d'un discours assez enflammé d'ailleurs, parce que la réalisatrice n'a pas hésité à critiquer le gouvernement Macron pour la marchandisation, je cite entre guillemets, marchandisation de la culture. D'accord. Et bien sûr, profitant aussi de l'occasion pour critiquer la loi votée par son gouvernement, notamment concernant la réforme donc, des retraites. Elle a mis le côté politique, elle a intégré dans la absolument. Consécration. Donc, généralement, le Festival de Cannes est devenu très politique d'ailleurs. Il ne faut pas mélanger tout. Hein. Oui, il ne faut pas tout mélanger. En tout cas, ça a provoqué un tonnerre d'applaudissements dans la salle, mais aussi beaucoup de réactions très donc houleuse. Tout le monde était de son avis, quoi. Tous les gens qui étaient présents. Par contre, les réactions ne sont pas fait tarder en parallèle, notamment la ministre française de la Culture qui s'est dite, je cite, estomaquée par ses déclarations, rappelant le fait que justement le gouvernement français contribue dans une certaine manière au financement de ce type d'événements culturels, donc c'est parce que c'est aussi avec l'argent public, et donc qualifiant cette réaction d'hypocrite et d'opportuniste. Donc voilà, en tout cas, maintenant je vais juste me concentrer sur ce qui, à mon sens, a été la plus grande injustice de ce festival. Artistique. Hein. Et ça a été bien sûr. Artistique, attention. Injustice artistique. Donc, oui, allez-y. Et ça a été justement le retrait
du tout dernier film de Martin Scorsese de la sélection officielle. En fait, il devait présenter un film qui devait concourir justement pour les grandes récompenses à la toute dernière minute, sans explicatif. Il a été redéclassé en hors compétition, donc malheureusement ça l'écarte de tout compris. Et c'est le film dont je vous ai ramené la bande-annonce aujourd'hui. Ah ben voilà, ben, d'ailleurs notre script, Selma Khaledi qu'on salue d'ailleurs, et elle me posait la question justement sur la bande-annonce, et bien voilà, donc on la balance, bien c'est sûr, ça bien très sûr. Bien. The Osage took their name from Missouri and Osage rivers. Niukanska. Children of the Middle Waters. Move, said the great white father. So many hungry wolves. Find the wolves in this picture. Find the wolves in this picture. Eh bien, je disais à mon collègue Ilyes Benziane que j'ai pu suivre le Festival de Cannes, mais beaucoup plus sur le côté glamour, les coiffures, le maquillage, tout ce qui se passait dans les grands hôtels, la préparation des VIP. Le budget colossal. Le budget colossal. Alors, je vais vous dire, d'ailleurs, tout le monde l'a certainement suivi, ce Festival de Cannes, cette 76e édition, mais c'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu même des cocktails, un petit peu, ils ont même imaginé et ils les ont mis sur pied, les nouveaux cocktails, avec des trucs comme ça. Alors, je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, parce qu'il y avait même un jeu de lumière à l'intérieur. Et là, je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Vraiment, alors le côté glamour, c'est les belles coiffures, le beau maquillage, alors les robes, mon Dieu, les bien escarpins sûr, aussi, c'est bien très sûr. Beau. Maintenant, ça fait partie du paysage cinématographique, maintenant. Exactement. Tout ce qui est robes, mode, etc. Donc, à chaque voilà. fois, on voit alors, des actrices déballées. Alors, les couleurs des robes avec... aussi, alors, ils sont... franchement, on voit des couleurs, on a vu des couleurs. Cette édition, c'était magnifique. D'ailleurs, le rouge, le parme, il y avait bien sûr des pierres précieuses étincelantes par les grands joailliers. Alors, on en a vu hein, aujourd'hui, bien sûr. Cette fois-ci. Bien sûr, mais j'aimerais quand même vous faire réagir par rapport au film dont on vient de diffuser la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne l'ai pas vu, déjà. Non, en fait, personne ne l'a vu, d'ailleurs. Ah, d'accord. En fait, les seules personnes qui l'ont vu, c'est les critiques et les spectateurs qui étaient présents sur place. Vous allez dire les hakas. Non, c'était pour savoir si le film a titillé votre curiosité. Alors, franchement, j'aimerais bien. Ça a suscité un petit peu ma curiosité. Ouais. Et ça m'a donné envie de regarder ce film, d'ailleurs. D'accord. Bah, de toute façon, on rappelle que le film a été réalisé par Martin Scorsese. Martin Scorsese, qui actuellement est considéré comme le plus grand réalisateur américain encore vivant. C'est quand même l'auteur derrière Taxi Driver, Raging Bull, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés. Ah. Donc, c'est une pléiade de chefs-d'œuvre. Et donc, malgré son âge, quand même, il a dépassé les 82 ans et qui continue encore, il a pas perdu la patte. Et donc là, il revient avec... Alors, quand vous me dites qu'il n'a pas perdu la patte, eh bien, il y a un proverbe français qui dit « c'est dans la vieille marmite qu'on fait de la bonne soupe ». Oui, absolument. Donc, parce que lui, déjà, c'est dans le
le côté positif que je l'ai dit, hein, chers téléspectateurs, parce que quand on dit c'est dans la vieille marmite qu'on fait de la bonne soupe, ça veut dire qu'une personne âgée, au-delà de 80 ans, au-delà de 90 ans, c'est... attendez, ouais. Ne rigolez pas. Non, mais non. Donc cette personne-là, c'est qu'elle a acquis beaucoup d'expérience. Oui. Donc elle a pu corriger à travers le temps, à travers les années, à travers corriger toutes les lacunes pour faire un chef-d'œuvre. Ouais, mais vous savez, ce proverbe, aussi vrai soit-il, je ne pense pas qu'il est applicable dans le milieu cinématographique parce qu'on a l'habitude de voir certains réalisateurs, au fil de leur âge, perdre en qualité et en crédibilité. Donc, justement, ah bah oui. Donc lui, c'est vraiment l'exception à la règle. Donc Martin Scorsese qui, lui, par contre, devient de plus en plus féroce, on va dire, en termes de style. Il y a un style beaucoup plus agressif. Oui. Et à oui. chaque fois, c'est des films captivants et c'est des films coup de poing à chaque fois. Ouais. Et ce film-là n'échappe pas à la règle parce que là, quand même, il arrive pour la première fois de toute sa carrière à réunir ses deux acteurs fétiches, donc à savoir Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Donc Robert De Niro avec lequel... Les deux grands, quoi. Exactement. L'ancienne et la jeune génération. Hein. Tout à fait. Donc DiCaprio avec lequel il a fait déjà 9 films et... enfin, plutôt De Niro avec lequel il a fait 11 films et DiCaprio, 9 films. Et donc là, pour la première fois, il arrive à réunir les deux dans un film inspiré d'une histoire vraie qui est quand même une, à propos d'une... La sortie, c'est quand ? En août. Quand est-ce qu'on pourrait éventuellement regarder ce film ? En août, et sera distribué de manière limitée au niveau de certaines salles de cinéma parce qu'il est financé par une plateforme de streaming. Donc, il sera disponible en août en streaming après sa projection dans quelques salles de cinéma. Donc, juste pour rappel, ce film traite d'une histoire vraie, d'une série de meurtres qui ont eu lieu aux États-Unis au début du XXe siècle, suite à la découverte de pétrole dans certains territoires amérindiens. Donc, coïncidence ? On ne sait pas. Et donc, le film, justement, on verra si le film arrive à trancher sur la question ou pas. Mais en tout cas, cette histoire est derrière la création du fameux service FBI. Ah ben voilà. Oui. Alors, et là, quand on reste toujours dans l'ambiance du 76e, de la 76e édition du Festival de Cannes, donc on a vu aussi la participation de l'Algérie dans le court et le long métrage. C'est vrai, il y a eu une petite participation algérienne, notamment avec un film que tout le monde déjà connaît, mais que personne n'a vu pour le moment. Exactement. Donc, c'est le film Omar la fraise. Qui normalement, il y a une projection, je pense, qui est d'ailleurs prévue très très bientôt en Algérie. On n'a pas encore de date officielle. Mm-hmm. Mais en tout cas, le film a quand même le mérite d'avoir notre fameuse actrice oranaise. Oui, Maryam Amiar, d'ailleurs, qu'on salue, qui a été d'ailleurs plusieurs fois notre invitée, qui n'a jamais dit non au Bonjour d'Algérie. Oui. Et bien aussi le court-métrage en langue amazigh, par contre. Oui, absolument, absolument. Lui, par contre, j'ai essayé de trouver ce que je pourrais dire dessus. Mais malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'anecdotes sur le film. Donc, j'attends quand même de le voir pour en parler. Effectivement, parce que là, d'ailleurs, j'ai un petit peu, je me suis un petit peu documentée sur ce court-métrage. Alors, le titre de ce court-métrage, alors je ne savais pas comment le prononcer. Le prononcer en amazigh. Mais là, il y avait la traduction, justement, en français. C'est « La maison brûle, il faut se réchauffer ». Donc, du jeune réalisateur Mouloud Eït Lotna. D'ailleurs, on aimerait bien le regarder, pourquoi pas. Justement, eh bien, on attend une prochaine fois. Vous allez essayer de nous ramener un petit peu, peut-être, une bande-annonce. Une fois qu'elle sera disponible, en tout cas, j'en parlerai. De toute façon, vous êtes un as de nous ramener que des... Ça y est, des exclusivités. Oh, j'essaie, en tout cas. Donc, on annonce une chanson ? Oui. Alors, attendez, quand vous étiez petit et que votre maman allait, on va dire, travailler. Oui. Elle vous laissait à la maison. Oui. Vous restiez avec qui ? Ma grand-mère. Ah, très bien. Moi, c'était avec ma nourrice, d'ailleurs, quand elle allait à l'école. Donc, j'attendais avec impatience ma maman et puis mon oncle Boualem, à qui je souhaite un prompt rétablissement à lui. Eh bien, il me disait... il me chantait toujours la chanson de « Maman, Zaman Hagei Hagei ». Donc, c'est un petit peu souvenir. Donc, je vous laisse avec Samira Zitouni et « Maman, Zaman Hagei » et on se retrouve juste après. «
Eh bien, ma Zaman Hagaya, eh bien, nos invités sont là et c'est un plaisir de les recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, je suis toujours en compagnie de mon ami et collègue Ilyes Benziane qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission, mais cette fois-ci vers la ligne droite de l'émission Bonjour d'Algérie en ce jour du 31 mai. Alors, et bien sûr, de la station régionale d'Oran, nous recevons alors une invitée. Et pas des moindres, puisque elle a fait parler beaucoup d'elle pendant des années. Et ça nous fait vraiment plaisir de la rencontrer pour de vrai, parce qu'on la voyait juste sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur la presse écrite, sur des chaînes internationales aussi. Et enfin, elle est arrivée pour nous dire un petit bonjour et vous accompagner jusqu'à la fin de Bonjour d'Algérie. C'est Madame Louise Anador. Alors elle est journaliste, traductrice, poétesse. Eh bien, elle a choisi Oran pour donner son premier spectacle en Algérie, Ouled Bledra, comme elle le dit, Ouled Bledi, le 3 juin, le samedi à 15h, au théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula. Alors, essayez d'être nombreux, parce que là, vous allez découvrir des poèmes. Alors, qui de nous n'a pas déclamé un poème un jour? Alors, à chaque fois, on déclame des poèmes. Alors, eh bien, pourquoi pas, cette fois-ci, on va déclamer des poèmes de Louisa Nador. Alors, elle, qui est accompagnée de Ibtissem Raissali. Alors, elle est chargée de communication de l'association Esma Raissali. On va découvrir tout à l'heure l'association. Marhaba bik. J'ai trop parlé, hein, je pense. Marhaba bik. Alors, je suis très contente de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et moi donc, moi, je suis comblée d'être parmi vous et comme ça, donc, rentrer dans les maisons de vos téléspectateurs et d'être justement Fibladi et à Oran. C'est pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et vous, c'est Ouled Bledi. Exactement, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand vous parlez de l'Algérie, quand vous parlez des Algériens, vous dites Ouled Bledi. Et ça, c'est une phrase qui est vraiment touchante, qui nous donne même les larmes aux yeux quand on est à l'extérieur, quand on a vraiment des clouettes. Vraiment, parce que la patrie, l'amour pour la patrie, c'est un amour incontestable qui ne ressemble à aucun amour d'ailleurs. Absolument, absolument. Marhaba bik, et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, et bien sûr, alors, comment allez-vous, Ibtissem? Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Madame Nador, vous avez publié plusieurs, d'ailleurs, recueils de poésie. Donc, et ce qui a suscité ma curiosité, c'est que vous êtes une fille d'immigration, déjà. Vous vivez à l'extérieur du pays, dans un environnement typiquement, francophone. Et vous arrivez à faire même la traduction de vos poèmes en arabe et les éditer à l'étranger. Donc, expliquez-moi tout ça. Et bien sûr, si vous rencontrez des entraves, pour la publication, et est-ce que c'est difficile pour vous de traduire ces recueils de français en arabe? Parce que vous, je le rappelle à nos chers amis téléspectateurs, que vous publiez de l'arabe, vos recueils en arabe et en français. Alors, c'est tout simplement mon âme, j'ai envie de dire que mon âme poétique s'exprime en arabe, parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'apprendre la langue arabe. Et comme je dis très souvent, pour moi, la langue arabe, c'est la langue de travail et c'est l'outil de travail et une langue d'enchantement. J'ai cette... Pour tous ceux qui connaissent l'arabe, étant donné que j'ai aussi côtoyé le grand arabisant André Miquel, qui a un amour inconditionnel pour la langue arabe, tout en étant français européen. Quand on a la chance d'être issu d'un grand pays qu'est l'Algérie, avec toutes ses sonorités et toute cette profondeur ancestrale, et la langue arabe, mais aussi amazigh, toutes ces sonorités de mon pays ancestral, je me dis, c'est dommage de ne pas, à un moment donné,
de ne pas transmettre en quelque sorte. Mais la poésie n'est pas pour moi une affaire de transmission. C'est un peu ce qui émane de plus profond de mon cœur. Donc on est parfois, j'ai envie de dire, on est poète malgré nous. Et à un moment donné, on nous encourage à publier. Ma première publication, c'était en 2010. Mm-hmm. J'étais encouragée par des amis, parmi Marcel Khalifa, pour ceux qui connaissent Marcel Khalifa, qui chante merveilleusement bien Mahmoud Derwish, qui me dit à un moment donné, Louisa, tu es poète. Et c'est dommage de garder la poésie pour soi, il faut la publier. Et donc il m'a dit, je ferai une présentation si vous publiez. Après, il y avait le philosophe Khaldun Nabouani, qui réside d'origine syrienne, qui réside en France aussi, qui est aussi... C'est toute une j'avais besoin de ce crédit, parce que j'ai publié en arabe, vous voyez-vous, tout en étant en France. Et ma première publication, c'était à la Matan, et c'était une publication bilingue, en arabe et en français, accompagnée, en 2010, accompagnée par l'artiste peintre Kamel Yahyaoui, le grand artiste peintre Kamel Yahyaoui. Et puis voilà, donc j'ai eu de la chance, je ne vais pas dire que j'ai aucune... J'ai toujours eu de la chance, en quelque sorte, il fallait juste que je me mette à faire des choses qui sont plus proches de mon cœur, pour la poésie. Donc j'ai trouvé un éditeur français qui me publie en arabe et en français le fameux recueil Un Passo et les Parchemins, donc Rishatou al-Asfar. J'ai recidivé par la suite avec un autre recueil aussi accompagné de poésie et de peinture, et avec la version arabe et française que j'ai traduite moi-même de l'arabe vers le français, L'Odyssée des mots. Cette fois-ci avec une préface de Yasmina Kadra et son encouragement. Donc je veux dire que tout au long de mon parcours, j'ai eu que des encouragements. Je ne vais pas dire que après, dans le monde arabe, au Liban, en Jordanie, quand j'ai publié le dernier recueil en langue arabe, Wahal Yarqudul Mawj, j'espère qu'on va pouvoir le voir là, Wahal Yarqudul Mawj, qui est publié en 2021. En Jordanie, à Amman, et réédité aux éditions Romance ici en Algérie, grâce à la journaliste Salima Melzizi, qui, grâce à elle, donc ceux qui vont nous voir le samedi prochain à Abdel Qader Aoulawi, ils vont pouvoir lire le poème en arabe, plutôt la recueil en arabe. Le même est traduit par le grand arabisant André Miquel. Donc ils auront la version en arabe et française. Alors quand vous me parlez justement de tous vos recueils, on va dire, d'ailleurs on voyage à travers vos poèmes, donc quelle est votre source d'inspiration? Alors, la source d'inspiration, la poésie, en fait, j'ai l'impression qu'elle reste comme ça en suspens, pendant qu'on, pratiquement, même si je suis avec vous, parfois je suis happée par des pensées, par une forme de fulgurance, une forme de... La poésie, pour moi, elle s'invite. C'est comme ça. Il faut rester à l'écoute. Il faut savoir la palper, il faut savoir s'éloigner au plus profond de soi-même, s'écouter le monde qui nous entoure. C'est une forme d'échange. Est-ce que les sources d'inspiration sont multiples? Je n'ai pas de rituel. Je me lève pas le matin, je me dis il faut que j'écrive la poésie. Effectivement, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Effectivement, c'est un état d'esprit. Il s'invite parfois. Oui. Il faut l'accueillir par le cueillir. J'ai juste une petite question. est-ce que quand vous composez, je vais employer le terme composer, quand vous composez de la poésie, est-ce que vous la faites en français et après vous faites la traduction, ou c'est dès le début en arabe? J'aime bien cette question parce que, effectivement, moi je pense que mon âme poétique s'exprime en arabe. J'ai beaucoup. L'arabe, c'est la langue la plus proche de mon cœur. D'ailleurs, je suis connue auprès de mes amis francophones français. Que je porte au pied du milieu culturel académique en France, que je porte cette langue en mon cœur parce que je travaille avec. Oui. Je suis aussi traductrice. Quand je travaille parce que je suis aussi consultante dans la coopération interculturelle, c'est aussi pour mes compétences en langue arabe et toute ma connaissance dans le paysage arabophone, dans le domaine de la pensée aussi. Bon,
et aussi de la communication avec ce monde arabe. Pour moi, je considère que la langue arabe, effectivement, c'est la langue de travail et d'enchantement. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais encore répéter ce que je disais l'autre fois. C'est que j'ai grandi avec Om Kulsoum, avec le Coran, avec mon papa. J'ai grandi avec Slimane Azem. J'ai grandi avec toutes ces sonorités. Il faut savoir que quand on a... C'est la transmission, en quelque sorte, de mon papa, quelque part, qui est là. Mais aussi, il y a une forme de spiritualité qui palpe dans la langue arabe. Elle peut l'être dans toutes les langues. Hein. Oui. Mais en tout cas, je me suis abreuvée de cette langue. Oui. Voilà. Très bien. Oui, alors c'est que certainement nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de l'émission, donc ils sont en train de se poser la question, alors quel est le rapport entre Louise Anadour avec l'association de Madame Raïsali? Donc est-ce que vous pouvez nous parler déjà des grandes lignes de l'association? Bien sûr. Alors, l'association Nihel, donc Madame Louise Anadour, donc elle a préféré, enfin, on a coordonné ensemble, en tant que Louise Anadour, c'est une bonne amie à moi. Mm-hmm. Et depuis le temps, on pense à faire quelque chose ensemble. Vous avez de la chance de l'avoir en amie. Hein. Oui, oui. Et c'est elle qui m'a proposé cette initiative. Elle m'a dit pourquoi pas, puisque ça coïncide de faire le récital à Oran. L'association Nihel mérite d'être soutenue par Louise Anadour. Voilà. Donc voilà, elle m'a proposé pour que l'association, c'est-à-dire il y avait une cause, la coordination, c'est-à-dire la plus belle chose qui était dans cette coordination, c'est qu'il y avait une cause parce que l'association depuis 2014 s'est engagée pour une cause, c'est la prise en charge des enfants malades de la rétinoblastome. C'est un type de cancer de l'œil. Cancer de l'œil. Voilà. Et donc, tous les bénéfices de cette vente dédicace, voilà. Donc, l'association Nihel va en bénéficier pour aider ces enfants malades pour l'achat de la prothèse oculaire, pour les accompagner dans toute... Très bien. Alors, une toute dernière question à vous, Ilyas Belzien. Oui, justement, est-ce que la vente dédicace de l'ouvrage, est-ce qu'elle sera programmée le même jour que l'activité qui sera celle au théâtre? Et d'accord. Puis, il faut savoir que, bien que ça peut être symbolique, les prix l'achat d'un livre, ça reste symbolique, mais pour moi, c'est une façon aussi de sensibiliser, parce que je trouve qu'ils font un travail merveilleux avec Asma, avec Raïssa Ali Asma, la présidente. Moi, quand j'ai vu ça, je me disais, malheureusement, il faut sensibiliser, parce que j'ai compris que si la maladie n'est pas prise en charge, à temps, elle peut être fatale pour un enfant. C'est ce qu'on disait. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc, est-ce que l'art aujourd'hui est devenu un outil efficace de sensibilisation? Je pense. C'est une question plus personnelle, je dirais. Ah oui, je pense. Je pense qu'on n'est pas là pour... je pense que l'artiste, il est là, il est à l'écoute de ses sens et aussi des mots de la société, de son époque. Si on s'investit pas dans la société civile, je dis la société civile, pour moi, on est un peu en marge. La période des poètes maudits, je pense qu'elle est révolue. Je pense qu'il faut être responsable vis-à-vis de la société. Oui. Voilà. Très bien. Alors, je saute souvent sur les bonnes occasions et je ne passe pas à côté de ce que j'ai sur le plateau, je vais vous inviter, si c'est possible, bien sûr, à nous offrir un de vos poèmes. Merci. Bon, puisque vous m'avez parlé de la poésie, je vais commencer par l'Odyssée des mots. L'Odyssée des mots. Segment des lettres emmanchées, au sens acéré, suspendu à l'ardeur de l'infini, elles font de l'antre du néant, se voulant le châtiment des âmes qui se dénudent au regard de la nuit.
Tels des éclats embrassant le comble des miracles, elle choit sur le flanc des montagnes séculaires. Ainsi commence l'odyssée des mots, par l'éclatement de soi, au croisement des rimes. Je surprends la sarabande des lettres, je surprends la sarabande des lettres, autour des flammes lestes. Eliphone, Baon, charrie le délire en fragments. J'invoque mon alif, mon bâton de pèlerin, amasse mes effets, poursuis mon périple. À ma tribu retrouvée, j'annonce la naissance du poète. Franchement, c'est magnifique, avec une très très belle déclamation. D'ailleurs, on est tous partis avec vous à l'intérieur du texte. Vous avez fait voyager pendant voilà, bon, exactement. Ça répond un peu à sa question par rapport à la poésie. Oui, une très belle réponse d'ailleurs. Hein. Une très belle réponse. Donc, un dernier mot pour le téléspectateur qui est en train de regarder. Alors un dernier mot, je suis vraiment contente, mais vraiment comblée de me retrouver fi wost ouled bladi fi Wahran. C'est une ville que, grâce à mon ami qui m'a fait découvrir, et j'ai nesha que habitons bel bezaf, je les ai beaucoup aimés. Vous m'avez tenu habouk ouled bladi. Béchalik comme l'idée ouled bladi. Donc soyez nombreux, j'espère vous voir le samedi prochain au théâtre Abdelkader Alloula. N'hésitez pas de venir vers moi, bien sûr pour dédicacer, même pour échanger. Donc pour moi c'est un plaisir de rencontrer les lecteurs. Alors vous avez parlé de tout. Vous avez parlé de vos recueils, vous avez parlé de vos écritures, vous avez parlé... Mais vous n'avez pas parlé du dernier recueil que vous allez présenter justement au Théâtre Régional d'Oran. Merci infiniment. Alors le dernier recueil, quelle est le titre de votre La vague s'appelle-t-elle jamais. Donc vous allez... Wahal yarkodul mawj. Wahal yarkodul mawj, c'est un livre qui a été réédité en Algérie. Après, il s'est épuisé en Jordanie. Et c'est grâce à ça que les lecteurs algériens peuvent aussi l'avoir. Traduit par le grand arabisant André Michel. J'ai eu de la chance d'être traduite par le grand arabisant André Michel avant son départ. Le livre va sortir là. Donc la première signature, ça sera à Oran de ce donc, livre, de cette grandeur pour moi. Fin de l'émission. Eh bien, on vous donne rendez-vous au théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula le samedi 3 juin à 15h. Donc, n'hésitez pas d'être présent et de vous faire dédicacer le livre de la grande, l'unique Louisa Nador. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau et ce moment poétique, on va dire, au Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup et j'espère, de toute façon, les portes de la télévision algérienne sont grandes ouvertes pour tous nos artistes et éventuellement pour vous quand vous serez de passage à Oran. Merci aussi à Madame Raïssa Ali qui accompagne justement Louisa Nador et continue à faire du bien pour les enfants qui sont atteints de cette maladie qui est très dangereuse, on va dire, et elle nécessite une bonne justement prise en charge, le rétinoblastome, donc prompt rétablissement à tous nos malades. Iliès, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi pas? Alors allez-y, donnez le mot de fin. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, oui, le même jour, la même chaîne. Oui. Et bien sûr, bon week-end à vous, chers amis téléspectateurs. Ciao.